On avait à peine fini de manger le dessert que maman a dit « Fatoumata, c'est à ton tour de faire la vaisselle. » Ma grande sœur a regardé son assiette et elle a répondu « Non !»« Dépêche-toi !» a insisté maman. « Je ne veux pas que tu te couches tard. »« Non !» a répété ma sœur. Ça ne m'a pas trop étonnée parce que j'avais vu que Fatoumata était en colère. En général, pendant le dîner, elle nous raconte les informations qu'elle a regardées juste avant à la télé. Et on est un peu obligé de l'écouter parce que maman dit que c'est intéressant. Mais là, elle n'a pas dit un seul mot de tout le repas. Souvent, quand elle est comme ça, c'est qu'elle a eu une note moyenne à l'école. Ça l'énerve parce qu'elle est super bonne, surtout en français. Si mon grand frère Rajiv était de mauvais poil à chaque fois qu'il a moins de 12, il serait fâché presque tous les soirs. Fatoumata, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de me fâcher. Lève-toi, s'il te plaît, et va faire la vaisselle. Non, je déclare la grève. La grève ? A dit maman en ouvrant de grands yeux. La grève ? A répété Elisa qui a 2 ans et qui ne parle pas très bien. C'est quoi la grève ? J'ai demandé. Papa, qui était le seul à ne pas avoir fini son yaourt, parce qu'il mange très lentement, m'a répondu. C'est quand des gens refusent de travailler pour forcer leur patron à les payer plus, par exemple. Justement, a crié Fatoumata, je veux une augmentation d'argent de poche, et aussi qu'Arsène soit obligé de faire la vaisselle comme nous. Après le dessert, maman s'est levée. Elle a regardé Fatoumata et Rajiv bien en face. Puis elle leur a demandé, vous êtes toujours en grève ? Oui. Ont répondu sans hésiter ma grande sœur et mon frère. « Bien !» a repris maman. « Nous allons donc entasser la vaisselle dans la cuisine sans la laver. » J'ai pensé au petit déjeuner et je me suis dit que c'était dommage que les amis de papa et maman ne leur aient pas offert aussi des bols de mariage. Pendant qu'on transportait les assiettes, Rajiv a dit à maman « Demain, c'est mercredi, j'ai entraînement de foot. Il est où mon maillot ?»« Moi, j'ai cours de danse !» a ajouté Fatoumata. « Tu as lavé mon collant ?» Maman a posé le plateau de verre en cristal très doucement sur la table. Elle a fait un énorme sourire et elle a dit « Non, et je déclare la grève de la lessive. » Ma sœur et mon frère l'ont regardé comme s'ils n'avaient pas bien compris. « Mais j'ai besoin de mon maillot !» a crié Rajiv. « C'est un entraînement super important. On a un match dimanche. Et moi, je dois préparer le ballet de fin d'année. C'est bientôt !» a dit Fatoumata. « La grève, c'est la grève !» a répondu maman en croisant les bras. « Je m'en fiche !» a répondu mon frère. « Je sais faire marcher la machine à laver. » Alors là, maman a piqué un sprint vers la machine à laver. Elle a sauté dessus et elle s'est assise en criant « Piquet de grève !»